rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. I give you all, Jesus. Merci. Thank you. Je crois que vous allez bien ce soir. I believe that you feel well this night. Dieu vous a accordé la grâce d'être en vie. God gave you life to be alive. Nous acclamons lui très fort. So thank you so much. Merci. Thank you. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Take our Bible tonight. Dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Et nous prenons directement directly le verset 20. Verse 20. Daniel chapitre 9, verset 20. Daniel chapitre 9, 20 verse. Et je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Et je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. While I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill. While I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the early Gabriel vision, came to me in a swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 62 semaines, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour être le saint des saints. Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you have begun to pray and answer, I was given which I have to come to tell you, for you are highly esteeming. Therefore, consider the message and understand the vision. 77s are decreed for your people, and you are sitting to finish transgression, to put an end to sin, to atone for weakness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Seigneur Dieu, notre Père Céleste. Lord Jesus, our God, Heavenly Father. Ce n'est que toi qui peux venir ici pour ouvrir ce mystère. Only you come here to open this mystery. Je avais dit, l'homme ne vit pas du pain seulement. See, the man will live only for bread. Et il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. He will live for all words come out for. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que la bouche de Dieu est dans un âge, c'est un prophète. We believe that the mouth of the God age is a prophet. Alors viens-nous au secours. Then come to rescue us. Ouvre-nous la Bible. Open us the Bible. Révèle-nous les mystères. Give us mysteries. Parle à ton église, Seigneur. Speak to your church, Lord my. Et libère ton peuple, Seigneur. It is your people, Lord. De tous les liens qui les lient, Seigneur Jésus. All bound. Afin que chacun puisse être béni. For each of us must be blessed. Peu importe là où se trouve ton peuple. Je veux que Seigneur Dieu, ils entendent ta voix. I want them to understand. Même ceux qui nous suivent dans l'internet. Je veux que les bénédictions du Saint-Esprit soient avec eux. I want the blessing of the Holy Ghost. Oh Dieu, que tu guérisses ceux qui sont malades. And those who are sick. Que tu délivres les captifs, Seigneur. And deliver captives. Et que tu donnes le Saint-Esprit à ton peuple. And give the Holy Ghost. Que tu les remplisses de ta gloire et de ta puissance. Jésus-Christ soit dans leur cœur. Et que tu interprètes à chacun la révélation de la parole telle que tu l'as révélée en ce jour. Merci pour le nom de Jésus. Thank you for the name of Jesus. Et merci pour tous tes enfants. Thank you for all your children que tu m'as donné. That you gave me. Et je veux que tu les bénisses. I want you to bless them. Tu leur accordes la paix. And you give me.
is. Sois leur soutien, Seigneur. Vivifie la parole. Vivify the word. Oh, moi, un ange puissant qui nous aide. By the way of the mighty angel come down. Je vivifie ce message dans notre cœur. Then come the Seigneur, utilise tes enfants pour qu'ils soient les témoins de ce message. Dans les endroits où le message n'est pas arrivé. Sauvez les perdus. Délivrez les captifs. Libérez ton peuple. Et remplis du Saint-Esprit tes enfants. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Je prie, Seigneur. I pray, Lord, que tu m'assures ce soir. Mets-moi à l'écart. Je vais devenir un canal parce que toi, Dieu. Tu peux passer, tu peux agir, tu peux te manifester, tu peux délivrer le peuple, tu peux guérir les malades, tu peux sauver les perdus, tu peux enseigner tes enfants. Où est-nous, Seigneur, cette grande onction du Saint-Esprit? Nous en avons besoin. Tiens-nous la main, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Thank you. Vous asseoir. You may be seated. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Ceux qui sont dehors peuvent entrer. Nous voyons après qu'ils come. Ceux qui sont dehors peuvent entrer. Nous outside may come. Je crois que chacun vous va bien. I believe that each of you is well. Alors que nous apportons un message très important, important message. J'aurais souhaité que toute l'église vienne comme le dimanche. I want to wish it come as Sunday. Mais les gens ne viennent pas comme le dimanche. People come as the Sunday. Et ils nous donnent le travail de répéter les enseignements de la semaine le dimanche. And they give us enough work of teaching as the Mais je crois que le temps est arrivé, on peut répéter au moins quelques minutes et puis nous passons. And I believe that the time has come for us to repeat for another while. Amen. Vous savez, mes chers amis, nous sommes en train de chevaucher avec les 70 semaines de Daniel. We are running with the 70 weeks of Daniel. Et je voulais faire comprendre que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore entrés dans les 70 semaines. I want you to make understand that we didn't enter. Les gens posent la question, le pasteur, pourquoi le tableau n'est pas encore utilisé? People ask me the question where the C'est board. Parce que nous ne sommes pas encore profondément entrés dans les 70 semaines de Daniel. Because we didn't go through Daniel's 70 weeks. Nous sommes en train de prendre Israël de la captivité, Talking about captivity, pour le ramener dans sa patrie. Bring in our homeland. C'est pourquoi vous me voyez en train de nager. Je suis en train de faire tout mon mieux pour que vous compreniez bien le message. That's why you should see me to write a verse. Et je crois que chacun de vous commence à saisir quelque chose. And I get that each of you start to see. Alors ce soir, nous voulons parler des 6 raisons de la visite de l'ange Gabriel. À Daniel. We want to talk about the 6 purposes of Gabriel's visit to the angel. Oh, les 6 buts de Gabriel à Daniel, le prophète. The 6 purposes of Gabriel to Daniel. Ainsi, pour récapituler un peu ce que nous avons vu au cours de la semaine, we want to give you the guidelines that we see during the week. Nous avons vu qu'Israël a péché. We have seen that Israel committed a sin. Israël a désobéi à la parole de l'Éternel. Et toutes les personnes qui transgressent la loi, the word of the law, il y a une punition qui est réservée. There is a punishment reserved. Et vous devez comprendre que si Dieu ne parle pas Israël, de son peuple, if God doesn't sacrifice people, il ne peut pas épargner un peuple de nation. He didn't put free people of nation. Et tout péché doit être puni. All sin must be punished. C'est la loi de Dieu. This is the law of God. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? You say amen to this? Donc dans Jérémie chapitre 24, in Jeremiah chapter 24, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset pour voir exactement qu'est-ce qu'Israël a fait. We may wait to know.
know what Israel did. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. The Bible said the word was addressed to Jeremiah upon la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. The fourth year of Joachim, king of Judah. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Joachim était dans son quatrième année et le roi de Babylone était dans son première année, je crois. He was in the first year, the fourth Babylon, the fourth. Et la Bible dit, the Bible says, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda. Word that Jeremiah pronounced before the people. Et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, for all habitants of Jerusalem, say, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Of Amor, king of Judah. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel a été adressée. There were 5 years when was addressed. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. I spoke to you since the morning and you didn't understand. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. The Lord sent you your servants since the morning and you didn't understand. Vous n'avez pas prêté oreille pour écouter. Pay attention to understand. Ils ont été révélés chacun de votre mauvaise voie. Has been revealed for each of us. Et de la méchanceté de vos actions. Evilness of your actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. You will remain in the country that I give to your fathers. Voilà le péché du Juda. You have not the sin of Judah. Comment Dieu est en train de réprimander les enfants d'Israël? Parce qu'ils ont abandonné le commandement du Tout-Puissant. When they drop out the commandment of Almighty God. Il dit ceci. He said this. N'allez pas après d'autres dieux. Don't go worship other gods. Donc quand Israël est arrivé là-bas, ils ont abandonné l'Éternel d'Israël. Ils ont abandonné le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. They start worship other gods. Pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Par l'ouvrage de vos mains. Never retake my words of your hands. Et je ne vous ferai aucun mal. I never make you pain. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. And figure me out, say the Lord. Afin de mériter par l'ouvrage de vos mains. So never put me against upon you. Pour votre malheur. For your illness. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Why say so the Lord? Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tout le peuple de Septentrion, dit l'Éternel. Send all people of the east. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Send close to Nebuchadnezzar, my servant. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. Make all my enemies under your habitants. Et contre toutes ces nations à la tour. All against all these are nations. Afin de les dévouer par interdit. So to put them in disgrace. Et d'en faire un objet de désolation. Object et de moquerie, laughing, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, song of bright, le bruit de la mêle et de la lumière de la lampe. Of light and the tout ce pays, country, Israël, deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. The nation will be asserved to 60 years. Puisque vous n'avez pas écouté ma parole. If you didn't figure out my word. Puisque vous êtes allé à l'encontre de ce que j'avais dit. Since we go against what I said. Vous avez commencé à fabriquer les idoles et à les adorer. Start worship idols and vous êtes allé auprès d'autres dieux pour les rendre le culte. You went close to other gods and worship them. Vous commencez à servir le dieu païen, le dieu étranger. Dieu, je suis fâché contre vous. I God, against you. Alors la punition que je vous donne, the punishment I gave you, je vais prendre un païen, un roi païen. I will take a pagan king, appelé Nebuchadnezzar, et il est mon serviteur. He is my servant. Je le ramènerai ici. I will bring him back here. Et il va détruire cette nation. He destroy this nation. Et il va faire des ruines éternelles. I will make everlasting. Et cette nation deviendra des déserts. Vous le peuple qui adorez notre Dieu, you people worship other gods, vous serez amenés captifs. You take us captives dans à Babylone. To Babylon, chez le Dieu de Babylone, chez le roi de Babylone. On the
Babylon king. Et Dieu a dit, God said, je ne sais pas si vous me suivez, vous allez rester là-bas en captivité pendant 70 ans. You've been there for 70 years. Je ne cesse de revenir là-dessus. Come back here. Parce que si vous ne comprenez pas ceci, don't understand this, vous aurez des difficultés à la suite. They have hardship to the Lord. Dieu a dit à Israël, as God said to Israel, au travers de la bouche de Jérémie le prophète, for the mouth of Jeremiah the prophet, que le roi de Babylone viendrait vous prendre ici. The Babylon come to take you here. Il va détruire votre nation. For your nation. Il va détruire votre pays. For your land. Et il va vous amener captifs. Take you as captives. Pendant 70 ans. During 70 years. Est-ce que chacun de vous a compris? Everybody of you understand? Verse 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, when these 70 years will be fulfilled, je châtierai le roi, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. I punish Babylon king and his nation. Dit l'Éternel à cause de leurs iniquités. So said the Lord because of their iniquities. Je punirai le pays de Chaldéens. I punish country et j'en ferai des ruines éternelles. I make ruin of everlasting. Je fais revenir sur ce pays toutes les choses que j'ai écrites, que j'ai annoncées sur lui. Put come big things that are announced this country. Tout ce qui est écrit dans ce pays, all things written in this country. A prophétisé sur toutes les nations. What Jeremiah prophesied in this nation. Car les nations puissantes et les grands rois les asserviront eux aussi. As the mighty nation will put them in slavery. Et je les rendrai selon leur ouvrage. Put them according to their work. Et selon l'ouvrage de leurs mains. According to the work of their hands. Je choisis le roi de Babylon. I choose Babylon. Et je fais le lui mon serviteur. Servant, vous venez me prendre vous les chiffres, come take you, et vous amenez en captivité. Take you in captivity. Détruis votre nation. Destroy your nation. Détruis votre ville. Destroy your city. Et cette ville deviendra une ruine. J'en ferai une ruine éternelle. I make it everlasting ruin. Et vous serez asservi au roi de Babylone pendant 70 ans. And you return as that you serve us in 70 years. Et je vous ai dit, mes amis, tell you my friends, que 70 ans, 70 years, c'est la durée de la captivité d'Israël. Celui qui a compris peut se dire un amen. Donc les 70 années, c'est la durée de la domination du roi de Nebuchadnezzar sur Israël. Mais ils ne seront pas chez eux dans leur pays. Mais ils seront à Babylone. Là où règne le roi de Nebuchadnezzar. Et ils seront dominés. During 70 years. Donc je vous ai dit que 70 ans, yes, I tell you 70 years. Ce ne sont pas les 70 semaines de Daniel. Not 70 Daniel's weeks. Le 70 ans, c'est la durée de la captivité d'Israël à Babylone. The duration of Israel to Babylon. Ou soit que c'est le nombre des années que dominera Nebuchadnezzar, le roi de Chaldéens, au juste. The amount of years that Nebuchadnezzar will rule over to the Jews. Dites amen. C'est amen. Mais les 70 semaines de Daniel dont la Bible parle dans Daniel chapitre 9, which the Bible says in Daniel chapter 9, c'est le plan entier du salut pour le Juif. The full entire plan of salvation for the Jews. En d'autres termes, c'est la durée des années du salut pour le Juif. Otherwise, say the duration of salvation for the 70 semaines vaut 490 ans. 70 years equals 490 years. Voilà la différence entre 70 semaines et le 70 années. This is the difference between both. 70 semaines, Daniel's weeks. C'est le plan du salut pour les Juifs. The plan of salvation for the Jews. Et leur vie. And their city. Et la durée vaut 490 ans. Duration equals 490. Comment nous avons fait pour trouver 490 ans? How make to calculate this? Nous avons fait une semaine pour 7 ans. Going to do 1 week equals. Parce qu'un jour vaut une année. For one day equals a year. Dans Nombre chapitre 14 verset 34. Number chapter 14 verse 34. Donc comme un jour vaut une année. As a day equals a year. Une semaine vaut 7 ans. It was worth 7 years. Donc comme
il y a 70 semaines. Oh, there is 70. Nous avons pris 70 semaines multipliées par 7 ans. It took 17 years. Et c'est ce qui fait 490 ans. Wow, 490. Qui est le nombre total des années pour le salut des Juifs. The full number of salvation for the Jews. Qui peut dire amen à cela? Can say amen to this? Alors nous sommes allés dans les Écritures. Then we go to scriptures. Je voudrais dire quelque chose ici dans la brochure, le script de Gabriel à Daniel. Je vais relire au paragraphe 36. I would like something in the booklet, the six purposes of Daniel. Pour voir qu'est-ce que Frère Branham dit ici. Gabriel to Daniel to see what Bible says this. Le prophète dit. The prophet said. Okay. Well. C'est parce que j'ai noté ici. Bon, ok, nous avançons page. So we move on. D'accord. Page 49. Page 39. Le suivi. The six purposes. Paragraphe 36. Ah, il y avait six buts à sa visite. There were six purposes to this visit. Quand il est venu lui dire ce qui allait arriver. When he came to see what will happen. Donc il y avait six buts à sa venue. There were six purposes to this. Maintenant, je pense que ce soir, nous allons reprendre. Nous en étions ce matin. Alors qu'on avait vu qu'il y avait six buts. Nous en sommes là. Donc nous savons, nous avons vu. Qu'il y avait six buts. Maintenant, prenons le chapitre 4, le verset 24 du chapitre de Daniel. Chapter 24 Daniel. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Have been fixed on your own. Maintenant, souvenez-vous. Now, watch over. Ça, c'est toute la durée du voyage des Israélites sur cette terre. All the tribe of Israel on this land. Dans les 70 semaines de Daniel. 70 weeks of Daniel. C'est la durée. Is the duration du voyage des Israélites of Israel sur cette terre. On this land. C'est ce qui leur a été fixé. This is what has been fixed. Il n'y a que 70 semaines de fixé. 70 weeks fixed. C'est tout le temps qui a été destiné aux Juifs. All the destinating time to the Jews. Je veux que vous soyez avec moi. I want you to be with me. Est-ce que vous me suivez très bien? Can you follow me up? Le frère Branham tire au clair. First, Frère Branham withdrew. Les 70 semaines de Daniel. 70 weeks of Daniel. Il dit que les 70 semaines de Daniel. Of Daniel, c'est toute la durée du voyage des Israélites sur la terre. All the tribe of Israel on the land. Où c'est tout le plan du salut pour le Juifs. All the salvation plan of the Jew. Amen. Amen. C'est ce qui leur a été fixé. That is what has been fixed. Il n'y a que 70 semaines de fixé. Only 70 weeks fixed. C'est tout le temps qui a été destiné aux Juifs. All the time fixed to the Jew. Donc c'est 70 semaines. Le temps qui était destiné aux Juifs, ça vaut 490 années. Amen. Amen. Qui a compris jusque-là? Okay. Je vais évoluer. Je vais avancer. Alors, je vous ai montré dans mon enseignement que les Juifs sont partis en captivité à Babylone en trois phases. You went captivity in three steps. Sous le règne de trois rois. Under the reign of three kings. Premièrement, c'était en 606. In 606. Celui qui régnait en Israël, c'était le roi Joachim. Joachim was the one who ruled over. Et deuxième roi, second one, c'est le roi Joachim. Joachim king. Il a régné en 597. Ruled over to 500. Et le troisième, c'est le roi Sédécias. Lui, il a régné en 586. Ruled over to 500. Voilà, sur le règne de ces trois rois, under the reign of this freak, que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu pour accomplir la prophétie de Jérémie. The king of Babylon came to fulfill en 606. Pendant que Joachim était roi, while Joachim was king, Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem. Nebuchadnezzar entered into Jerusalem. Il a pris les humains, il a pris les Juifs, took the Jews, et les a menés en captivité en l'an 606. And brought them to the captivity.
Il les a déportés jusque dans son pays, à l'Irak actuel. Took them to exile to Iraq now. Il les a gardés là-bas. Keep them. Qu'est-ce qui se passe? What's happened? C'est la prophétie de Jérémie. This is Jeremiah prophecy. Qui est en train de s'accomplir. She is to be fulfilled. Dieu ne ment pas. God never lies. Quand Dieu dit quelque chose, God says something, peu importe la durée, whatever the duration, la chose va s'accomplir. The thing will be fulfilled. Dieu ne peut pas détruire son témoignage. Whatever destroys his testimony. Quand Dieu avertit un peuple par les avertissements, when God warns his people for prophetic warning, ce que Dieu a dit, what God said, il va l'accomplir. He will fulfill it. Ce qu'il a parlé par la bouche de Jérémie. Speak to Jeremiah. Doit s'accomplir. Be fulfilled. Afin que nous voyons que ce que Jérémie a dit, ce n'était pas ses propres paroles. So for us, what Jeremiah said was his own way. Un véritable prophète envoyé de Dieu ne dit jamais ses propres paroles. A true prophet sent by God never tells his own words. Jérémie a prophétisé. Jeremiah delivers. Et ce que Jérémie avait dit, what Jeremiah said, c'était l'esprit du Seigneur. God said so. Bien qu'il y avait un autre faux prophète. Yes, there was a false prophet. So to put the Jew. Mais la Bible nous dit qu'il mourra. The Bible says he died. Parce que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Because what he said was wrong. Donc en 606. Pendant que Joachim régnait en Israël. While Joachim was ruler in Judah. Il régnait en Juda. Was ruler in Judah. Nebuchadnezzar est venu. Nebuchadnezzar came. Il a déporté les Juifs. Put the people in exile. Il les a fait déplacer. Put them out. De Jérusalem d'Israël. À Babylone. To Israel to send them to Babylon. Et il est revenu encore. He came back again. En l'an 597. In the years 597. Après la mort de Joachim. After Joachim's death. C'est Nebuchadnezzar qui l'a tué. Nebuchadnezzar who killed him. Il a crevé les yeux. He destroyed his eye. Et il a vraiment réduit au meilleur. That made him. Et Joachim a pris la relève. Joachim took the relief. Nebuchadnezzar. 597. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a détruit le temple de Jérusalem. The temple of Israel. Il a pris tous les ustensiles du temple. All ustensiles of the temple. Il a mené captif. Put it. Il a détruit le temple. Destroyed the temple. Il a pris les ustensiles. Take the ustensiles. Et il les a menés à Babylone. Send them to Babylon. Pour vous donner un peu de la lumière sur ce que j'enseigne. What I teach. C'est quand Nebuchadnezzar s'est recueilli là-bas à Babylone. Nebuchadnezzar become. Il a pris ses ustensiles. Il a organisé une fête. Avec ses femmes païennes. Avec ses concubines. Qu'une main est descendue et qu'une main est menée de quelque part. Pour annoncer le jugement, la destruction de Babel et la chute de Nebuchadnezzar. C'est pourquoi le frère Branham dit. Tout ce qui est de Dieu est consacré. Aux instances du temple, vous devez être un homme consacré. Même ce micro, même la chair, même les instruments que vous voyez là, sont consacrés à l'éternel. Avant de manipuler les instruments de Dieu, Dieu, on doit s'éloigner de nos femmes.
This is the answer that I give to a preacher. Qui voulait savoir comment tu peux garder l'onction comme ça dans ton ministère. Want to know how you can keep unction in your ministry? Je dis, voulez-vous séparer de votre femme? You might get separation to your wife. Il a trouvé ça compliqué. Find it complicated. Dis, moi, je ne peux pas comme ça. I cannot do this. Je dis, mais c'est la parole de Dieu. It is the word of God. Un sacrifice à la tête doit être pur. Il doit être pur. Quand il demande du haut de la chair. Il a détruit les fossés. He stole false. Il a mis
feu. Put the fire. Il a mis feu dans la ville. Put the fire. The city. La ville de Jérusalem. Jerusalem city. Est devenue une ruine. Become a ruin. Et un désert. And a wilderness. Comme Dieu l'a dit. As God said it. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Maintenant, frère Branham a dit. Father say now. Daniel le prophète. Daniel the prophet. Quand il s'est retrouvé là-bas. When he found there. Alors qu'il est parti depuis l'an 606. Then he went since 606. Mais un jour, one day, il avait avec lui le livre du prophète Jérémie. The book of Jeremiah. Je vais rendre ça trop clair. To put it clear. Il est parti en captivité avec les brochures de Jérémie. Il a commencé à lire la brochure intitulée Israël en captivité. Et quand il est tombé là-bas dedans, il a compris que Jérémie le prophète avait déjà prophétisé la durée de la captivité. Et il a dit, oh Dieu, ça fait très longtemps que je suis ici. Depuis l'âge de 12 ans ou 14 ans. Je suis ici à Babylone. Nous sommes éloignés de notre patrie. Nous sommes en train d'endurer des difficultés. Mais toi, tu es un Dieu vivant. Tu ne laisseras jamais ton peuple dans un esclavage éternel. Et Dieu ne vous laissera pas dans une maladie éternelle. Dieu ne vous laissera pas dans les souffrances éternelles. Je n'entends pas les alléluia de l'église. Chaque chose a son temps. Avec le souci, alors, et celui qui croit en Dieu, alléluia.
Le peuple, que Dieu m'a envoyé, il a dit si mon message
en Afrique, beaucoup de gens vont croire. Many people will believe. Et aujourd'hui, nous sommes là. Today we are there. Vous êtes un peu pris en fusion par William Branham. En 1960, à Kinshasa. He made an escape to Congo Kinshasa, à l'aéroport qu'on appelle Ndolo, to the airport called Ndolo, le second aéroport de la ville de Kinshasa, second airport of Kinshasa City. Quand Frère est descendu de l'avion, il a vu une vision. Ici, saw a vision où il y avait des champignons qui poussaient. Where there were mushrooms, ça poussait partout, ça poussait, ça poussait. There were grown up, et ça remplit presque toutes les routes. All the airport. Et une voix qui a fait un boss. Le champion que tu vois là, mushroom that you see, ce sont les gens qui croiraient à ton message ici. Believe your message here. Oh, à cette époque là, on appelait ça Congo belge. This was called Congo belge. Et le Congo belge et l'Afrique française équatoriale. Congo belge in Africa Congo. Étaient les frontières, étaient les frontières les plus proches. Was frontier close frontier. C'est-à-dire quand vous rentrez dans l'Afrique, quand vous rentrez dans l'Afrique française équatoriale. Africa, what you are. Vous êtes ami de Congo belge. You are close friend of Congo Belgium. Je ne sais pas ce que vous êtes avec moi. C'est pourquoi le premier mathématicien. But you are the first mathematician. Du monde entier. Of the world. Est sorti dans l'Afrique équatoriale française. Came out in what you are. They found that it came out into the junction of Congo Brazzaville and the Gabon. Oh, ça vous dit quoi? Oh my, this is the truth. That is the truth. Le premier mathématicien. The first mathématicien. Est sorti de l'intercession. Came out of the intercession. Entre Congo. Between Congo, Gabon, Gabon, et Kinshasa. And Kinshasa. Mathematics there. On a mené en Égypte. That we go to Egypt. C'est là où les Égyptiens ont développé cette mathématique. That's where Egyptians developed that mathematics. Nous sommes intelligents. We are so clever. Yes. Amen. Nous sommes intelligents. We are so clever. Pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser les choses? I don't realize this. C'est parce que la sorcellerie est en train de dominer le peuple. De ces gens. That to take back witchcraft from this et qu'ils vous montrent comment est-ce qu'ils opèrent. And they will show you how they operate. C'est à partir de la magie noire que la magie blanche a été fabriquée. According to white magic, that magic that white has been invented. Je vous dis un non. I tell you now, les blancs deviendront des pauvres. White will become poor. C'est un message de révolution. If not come out of the Gabon, ça soit du Congo Brazzaville. I heard Congo Brazzaville. Ça soit de Kinshasa. Or Kinshasa. Ça soit de l'Angola. Angola. Amen. Et nous avons des matières premières que d'autres nations n'ont pas. Et we have more material that nations don't have. Même pour fabriquer une bombe atomique. Even to make atomic bomb. Ils ont besoin de l'uranium du Congo. The uranium of Congo. Pour fabriquer des piles. Cherche à déstabiliser ces pays qui font leur économie. They want to
establish our country. Mais dans la reconstruction du temple, nous enseignerons l'unité. Il a détruit le temple, il a détruit la ville, il a détruit la maison du roi, il a détruit le fossé. Maintenant, en l'an 538, Daniel a dit, comment a-t-on souffert comme ça?
les erreurs. We are also mystics. C'est pourquoi ne mettez pas trop d'accent sur les erreurs des autres. Never put the stress on the mistakes of others. Parce que vous en avez assez. For you have enough. C'est toi-même qui se sanctifie. It's up yourself. C'est toi-même qui se justifie. It's yourself. Just quand tu te regardes toi-même, when you look yourself, je ne fais pas ceci. I don't do this. Je ne fais pas ceci. I don't do that. Je ne fais pas cela. I don't do that. C'est que je suis saint. That I'm holy. Quand Dieu, but when God mène le chemin de la parole, put in the journal of the word, Dieu trouve que vous parlez beaucoup. God found that you speak a lot. Dieu trouve que vous critiquez beaucoup. He found that you criticize a lot. Dieu trouvera que vous écoutez beaucoup le mal. Dieu trouvera que vous méditez beaucoup le mal. He found that you meditate evil. So much. Et quand je vous regarde, God look you, vous n'êtes pas saint. You are not holy. But Dieu a besoin de notre humiliation. That's what God needs for our humiliation. Nous devons humilier nos cœurs. Humble ourselves. Dans la prière. Into the prayer. Pour attirer sa confiance. To restore his self. Donc, avant 538. First in 538. Avant Jésus-Christ. Jesus Christ. Daniel s'est mis en prière. Daniel put himself into prayer. Pendant qu'il était en prière, while he was praying, probablement il voulait connaître combien de temps il restait. Rabbi said he wanted to know all remaining time. Avant de retourner dans sa patrie. Before going back into his homeland, il a pris la décision. Took the decision. De chercher Dieu dans la prière. Look for God in the prayer. Oh, quel beau message. Oh, wonderful message. Comme je le disais à mon épouse. As I was talking to my wife. Il y a des choses dans le message. There are things into the message. Ça peut amener quelqu'un à pousser des cris, à courir comme un fou. Someone to cry out as a foolish man. C'est tellement profond. It's so deep. Frère Madame dit. Frère Madame sait. Dans la brochure. The booklet. Les instructions de Gabriel à Daniel. The action of Daniel. Paragraphe 86. Paragraph 86. Lisons quelque chose. Let's read something. C'est très merveilleux. It's so blissful. Après, nous allons rentrer dans ce que nous allons parler aujourd'hui. And after we are going to get in what we are going to speak today. J'ai failli être enlevé aujourd'hui. The way I wanted to be raised up. J'étais tellement rentré, j'ai oublié que j'existe. I straight in, I forget I exist. J'étais tellement dans les lieux célestes. I was in a heavenly place. Et le message souffrait comme des anges. And the message opened us angels. Et je suivais des anges. And follow up angels. Je dis Seigneur, je suis encore sur la terre. Lord, am I in earth? J'étais perdu dans la révélation. I was lost in the revelation. Frère Madame dit ceci. Paragraphe 86, les instructions de Gabriel à Daniel. Gabriel to Daniel. Jérémie a pris la parole de l'Éternel. Jeremiah took the word of the Lord. Le vin de sa parole. One of his words. Et le vin, c'est la puissance de sa parole. Wine is powerful. Le vin a une puissance. Wine has power. Le vin est toxique. Wine is toxic. Il y a de la puissance dans le vin. Et j'ai pris la parole de l'Éternel, a dit Jérémie. Et je l'ai manifesté. Le vin de la puissance qui est en elle, je l'ai démontré. Mais ils ont refusé d'écouter. Dieu a dit. Alors je les enverrai à Babylone pendant 70 ans. C'est exactement ce qu'il a fait. Ils y sont tous allés. Les justes comme les injustes. Righteous as unrighteous. Maintenant revenons à notre leçon. Come back to our teaching. Daniel avait lu. Daniel read. Près de 70 ans. 70 years. Daniel avait lu. Daniel read. Pensez-y un peu. Think a bit. Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce matin. He read the same word as we. Daniel a lu la même Bible. He read the same Bible. Avec la même ponctuation. With the same punctuation. Les mêmes phrases. Les mêmes choses, c'est moi. Avec l'aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages à venir. La même chose pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Same thing to show that we have time. Alors Daniel, avec la parole de Jérémie, il descend à Babylone. Came down. Et il était le prophète ouin. He was an anointed prophet. Il a opéré des miracles des signes. Fulfilled miracle wonders. Il pouvait interpréter les langues inconnues. Et il avait accompli, et il avait accompli des signes et des prodiges au milieu d'eux. Fulfilled wonders, sign. Et pourtant il n'avait personne avec lui. He was alone.
il était seul. He was alone. Amen. Amen. Il était seul. He was alone. Mais Jérémie avait ses paroles bien des années auparavant. Jeremiah was the words. Et Daniel, en interprétant la parole, Daniel translated the word. Il a compris en un instant. Nous approchons du temps de la fin. Puisqu'il y a déjà 68 ans que je suis ici. Et le prophète du Seigneur. Prophet of the Lord. Amen, mon frère. Amen, my brother. Le vrai prophète de Dieu. Prophet of God. Il a prouvé qu'il était prophète. That he was prophet. Il nous a donné une prophétie. Gave us a prophecy. Je l'ai là, c'est écrit dans le livre. It is written in the book. Il a dit qu'il s'écoulera 70 ans. Oh Seigneur Dieu. Almighty God. Nous nous approchons de la fin. C'est de cette génération là sont doucement. Those generations are dead. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Seigneur? To now, Lord? Tu as promis de nous envoyer. Promised to send us. Et il a décidé de se mettre en prière. Stay in prayer. From Psalm 89. Paragraph 89. Oh Dieu. Oh God. S'il y a un temps où nous aussi nous devons nous mettre en prière. There is a time also we must be prayer. C'est bien maintenant. It's now. Car nous qui sommes son frère serviteur. Servants, nous pouvons voir par les lettres we can see by et les apôtres par le Saint-Esprit qui nous met en garde put them in guard, que nous sommes au dernier jour. Last days, le Saint-Esprit le dit Holy Ghost say, dans les derniers jours last days, les hommes seront emportés people will be deprived, enflés de cœur selfish, aimant le plaisir puisque Dieu déraillé calomniateur intempérant et ennemi des gens de bien. C'est ce que je comprends par les lettres. C'est ce que nous comprenons par la parole de Dieu. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des races de marées au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes. Dans le ciel, des choses mystérieuses que la peur fera défaillir le cœur des gens. Et je comprends que les prédicateurs au dernier jour seront des faux prêtres, des faux bergers. Au dernier jour, ils feront des compromis. Au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers le credo et toute autre sorte de choses. Mais je comprends ce qui nous voit se faire entendre au dernier jour. Qu'elle criera dans le désert. Qu'elle appellera les gens à revenir au message originel. Alléluia. Alléluia. À revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends qu'au dernier jour, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées. Et il y aura une famine dans le dernier jour. Une famine d'entendre la véritable parole de Dieu. Je comprends que par la parole de Dieu, au dernier jour, Dieu nous enverra Élie le prophète. Avant l'arrivée des jours de l'éternel, il y aura un message qui ramènera le cœur des gens à la foi de Dieu, qui ramènera les gens à l'original, qui fera retourner jusqu'au bout. Je comprends que cela se produira juste afin que l'Esprit de Dieu quitte l'église des nations. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons qu'au dernier jour, Dieu nous enverra le prophète. Daniel a compris qu'au dernier jour, il sera livré en captivité pendant 70 ans. Daniel a compris Daniel qu'il restait 2 ans dans la patrie. Nous nous comprenons maintenant. We figure out now. Le dernier jour, the last day, c'est le Matthieu 24. Matthew 24. Il y aura des guerres. Il y aura des bruits de
les jours et l'heure dans laquelle nous vivons. Nous comprenons qu'il y a des jours, il y aura le conseil ecuménique dans l'église. Nous comprenons qu'il y a des jours, l'épouse sera rejetée de toutes les églises. Nous comprenons qu'il y a des jours, il y aura un puissant remboursage. Il y aura une puissance. Il y aura une action qui sera avec le peuple de Dieu. Je vais te montrer.
Je vais construire ta langue. Il t'a
retirer de la dénomination. We come out of the denomination. On revient à la vision universelle de l'épouse. We have the universal question of vision. Ouais, que je prêche. What I'm preaching to you. C'est ça que je prêche. Seigneur, ouvre-moi la porte. Aïe, aïe, aïe.
that many preachers don't have. Say to my bride today. Il m'a dit, oui, chérie, je vois ça. Say yes, darling. Si le pouce commence à croire à son mari, behold, if the bride starts believing to him, que le Dieu ne doutera jamais. The day before, le spirit qui l'embête. There was a spirit troubling him. Je lui prends ton téléphone, mais c'est vrai. Took your phone. Je lui prends ton téléphone. Tellement. You demand. Qui te demande le nom de Dieu? Demanding the name of God. And the sin of my people is Israel.
And I present my supplications. Il le suppliait Dieu. He was the my God. À l'éternel mon Dieu. Lord my God. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Favor the holy mountain of my God. Comme vous aussi ce soir. As you also tonight. Vous pouvez intercéder pour le péché de vos frères du plein évangile. You can intercede for the sin of your brothers to full gospel. Vous pouvez intercéder pour le péché de votre de vos enfants. You can intercede for the sin of your children. Qui habitent dans une même maison avec vous. Who live in the same home with you. Mais qui se comportent mal. And who behave in the wrong way. Ne vous mettez pas là à condamner. Never put yourself to condemn them. Prenez un fardeau pour la prière. Took a load for the prayer. Et chaque personne qui prie beaucoup. Each person prayer. Dieu le remplira beaucoup. God will fill up a lot. Et Dieu lui révélera beaucoup de choses. Many things. La prière est une force pour un croyant. Prayer is strength for a believer. La prière est une voie de révélation. Prayer is a way of révélation. Des choses que vous ne connaissez pas. Oh, things that you don't know. Dieu vous le révélera dans God la prière. Pray. Qui peut dire amen à ça? Who can say amen to this? Je confesse les supplications à l'éternel mon Dieu. I confess the supplication of my God. En faveur de la sainte montagne. In favor of the holy mountain. De mon Dieu. Oh my God. Je parlais encore dans ma prière. While I was still in prayer. Quand l'homme Gabriel. When Gabriel, the man. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Not Gabriel, the angel. Mais la Bible parle de l'homme Gabriel. The Bible says Gabriel, the man. L'ange Gabriel. Angel Gabriel qui a pris la forme, took the shape de Daniel. Of Daniel. C'est pourquoi il appela. That's why he called l'homme Gabriel. Man Gabriel. Quand ils sont venus dans Genèse 18, when he come into Genesis 18, il appelait l'homme Gabriel. He called the man Gabriel. Parce qu'il a revêtu la forme de l'homme. Because he dressed the shape of the man. Donc je veux entendre votre amen. Yes, I want to understand your amen. Quand vous continuez là, la lecture, carry on the reading. Il le dit à Daniel. Daniel, tu es un bien-aimé. You are a beloved. Comment un ange? How can an angel? Peut appeler un homme? Call a man? Bien-aimé. Beloved. Dites amen. Say amen. C'est parce que. Because. Il a pris la forme humaine. Took the shape of a human. Parce qu'il a piétiné la terre. Because he smashed the earth. L'ange. When the angel. Est au-dessus de la terre. Is above the earth. Il a des ailes. He has wings. Mais quand il piétine la terre, and when he smacked the land, les ailes disparaissent. Wings fell. Pourquoi? Why for? Parce qu'il est dans le domaine de l'homme. Because in the frame of the man. Et il doit prendre la forme de l'homme. He must take the shape of the man. Non, je n'ai pas entendu de ça. No, I don't understand him. La Bible dit. The Bible says. J'avais vu comme l'homme. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision. Man Gabriel seen in a vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Get close to me or the sift white of a écoutez moi bien. Listen to me well. N'écoutez pas et ne croyez pas ce que les gens du christianisme terrestre parlent. Never understand what people of Christianity even speak. Ils invoquent l'ange Gabriel. They invoke Gabriel angel. Ils appellent l'ange Gabriel. They call him. Frère Branham dit. Frère Branham say. L'ange Gabriel n'a jamais été un messager pour les nations. Gabriel, the angel has never been a messenger for nations. Va là-bas, Kembo là. There, Kembo. Jusqu'à côté de l'église catholique comme ça. Into a Catholic church over there. Vous allez voir un ange avec une tête. You will see an angel with a spirit. Qui a piétiné Satan? Who smashed down Satan? C'est de n'importe quoi. This is nonsense. Tout à fait. C'est de même. L'ange Gabriel. Oh, is the angel of Gabriel. L'ange de combat. The angel of fighting. Les gens commencent à invoquer Gabriel. And people start to invoke Gabriel. Vous invoquez un démon. You pray a demon. L'ange Gabriel ne combattra pas pour les gens des nations. Gabriel, the angel will never fight for people of nations. Il est un messager pour les Juifs. He is a messenger for the Jews. C'est pourquoi il est allé vers Marie. That's why he went to Mary. Dites amen. Say amen. Il est allé vers Zacharie. He went to Zacharie. Il est allé vers Abraham. He went to Abraham. Je veux un amen. I want to hear an amen. Et il est venu vers Daniel. He come to Daniel. Parce qu'il est un messager. For he is a messenger. Pour le chiffre. For you. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe this? Il
ne sais pas la partie qui va venir. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Du temps en fila. La Bible dit. Bible says. Il m'instruisit. He instructed me. Il me donna des instructions. He gave me instructions. Et s'entretient avec moi. And instructing me. Un homme. A man. Consacré. Consecrated. Peut parler avec les anges. Can speak with angels. Il s'entretient avec moi et il me dit. He instructed and taught me. Daniel. Daniel. Je suis venu maintenant. I come now. Il révèle le pourquoi de sa venue, de sa visite à Daniel. He revealed the reason of his coming to Daniel. Je suis venu maintenant. I come now pour ouvrir ton intelligence. To open up your understanding. Pour faire quoi? To do what? Quelle est la raison de sa descente? What is the reason of his coming down? One. Pour faire quoi? Do what? Ouvrir l'intelligence de Daniel. Open up the understanding of Daniel. Pourquoi il doit ouvrir l'intelligence? Why for he must open it? Understanding? C'est pour que Daniel saisisse les choses spirituelles. For Daniel to see spiritual things. C'est pour que Daniel. For Daniel. Comprenne les choses. Figure out things. C'est pourquoi il est descendu. That's why he came down. Il a dit à Daniel. Said to Daniel. Alléluia. Oh man. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, when you started praying, Dieu voit quand tu commences à prier. Oh, see, when you start praying, la parole est sortie. The word come out. Amen. Dès que tu as commencé à adresser à Dieu, as soon as you start praying God, les prières, prayers. La parole est sortie. The word came out. On met une virgule. Put a stress. Ça veut dire que Dieu a parlé. That means that God spoke. En d'autres termes, Dieu t'a répondu. Otherwise, God respond you. Mais je viens maintenant. But I come now. Alléluia. Amen. Pour te l'annoncer. To give you as. Maintenant, I came down now pour l'annoncer. To announce it, car tu es un bien-aimé. First word, you know, même si les habitants de Babylone ont haï Daniel, even if the inhabitants of Babylon hate Daniel, il est haï sur la terre. Les hommes peuvent vous haïr. Et si Dieu vous aime, God love you. Vous êtes son bien-aimé. You are his beloved. Dites alléluia. Say alléluia. Dites amen. Say amen. Dites car tu es un bien-aimé. For you are his beloved. Et les choses cachées. And things hidden. On révèle ça au bien-aimé. We reveal that only for the Lord. Abraham était le bien-aimé de l'Éternel. Abraham was the beloved of the Lord. Et Dieu lui a révélé des choses cachées. God revealed hidden things. Daniel était le bien-aimé de l'Éternel. Daniel was the beloved of the Lord. Dieu lui a révélé des choses cachées. God revealed hidden things. Jean était le bien-aimé de l'Éternel. God was the beloved of the Lord. Et Dieu lui a révélé des choses cachées. God revealed hidden things. Moïse était le bien-aimé de l'Éternel. Moses was the beloved of the Lord. Dieu lui a révélé des choses cachées. God revealed hidden things. William Branham était le bien-aimé de l'Éternel. Was the beloved of the Lord. Dieu lui a révélé des choses cachées. God revealed hidden things. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. The beloved of the Lord. C'est pourquoi Dieu vous révèle les choses cachées. God revealed hidden things. Jésus. Jesus. Alléluia le Père. Praise the Father. Du Père. Father. Je te loue. I praise you. Dieu des cieux de la terre. Father, Father, c'est ça que tu as caché. For you hidden. Ces choses-là. Aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés. Et tu les as révélés.
tes enfants. To your children, vous êtes, you are, les bien-aimés. Beloved. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant, la Bible dit, the Bible says, sois attentif. Be attention à la parole. To the word. Sois attentif. Pay attention. À quoi? To what? Et comprends. And understand. La vision. Amen. The vision. Amen. Sois attentif. Pay attention. Aux choses que je vais t'enseigner maintenant. Aux things that I'm going to teach you now. Et Daniel. And Daniel. 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 Le bien-aimé. The beloved. Plein évangile, le bien aimé, sois attentif aux choses que je vais vous prêcher, et saisis la vision. And seize the vision. Quelles sont ces choses? What are those things? Il commence maintenant. It starts now. 70 semaines, 70 weeks ont été fixées, have been fixed sur ton peuple, under your people. Les Juifs, Jews, et sur ta ville sainte, and your holy city, Jérusalem. Jérusalem. Donc les 70 semaines, 70 weeks, c'est pour les Juifs, are for the Jews, et pour la sainte ville, and for the holy city. Amen. Alors bon, 70 semaines, 70 weeks, ont été fixées, have been decreed sur, upon, ton peuple, your people. Les Juifs, the Jews, et sur ta sainte ville, upon your holy city, Jérusalem, Jerusalem, en d'autres termes, otherwise said, 490 years ont été arrêtés, have been decreed pour le salut, for salvation, de ton peuple, of your people, et de sa ville, and of the city. Pour faire quoi? To do what? Faire cesser les transgressions. To cease up transgressions. Donc, verse Israël, Israël, les Juifs, the Jew, et la ville, and the city, ont transgressé, transgressed, la parole, the word. Ils ont transgressé, they put it in his grass, la loi, the law. Transgressé, transgressed. Ça veut dire, what does it mean? Ça veut dire mépriser. It means despise. La parole. The word. Mépriser. Despise. La loi. The law. Ils ont transgressé. They transgressed. La loi d'Israël. The Israel law. Transgressé, ça veut dire. Transgressed means. Aller à l'encontre de quelque chose. Go against something. Ou soit te causer du tort. Either put into trouble. Dites amen. Say amen. Alors dans ces 70 semaines. Verse into 70 weeks. Dans votre plan du salut. In your salvation plan. Dieu. God. A arrêté ce tort. Has decreed this time. Pour cesser. For. Vos transgressions. Cease up your transgressions. En d'autres termes. This is the first point. Donc, verse. Pendant les 70 semaines. Why the 70 weeks? Dieu, God, vous ouvre une parenthèse. Open up you a bracket. Pour que vous ne faites plus les choses que vous avez faites qui vous ont
amené ici à Babylone. So don't you think that indeed would bring you to Babylon? C'est à cause de votre transgression. It is due to your transgression que vous êtes arrivé ici. That you reach here. Maintenant, now, je vous ai donné 70 semaines. I gave you 70 weeks afin de vous amener à éviter. So to bring you to avoid la transgression. Transgression. En d'autres termes, otherwise, it ne causait du tort, put trouble, brisé, broken, méprisé, despised, les lois de Dieu, the law of God. Alors Dieu, then God, va faire cesser vos transgressions. He's gonna cease up your transgressions. C'est-à-dire, that's why, that's il va détourner Israël de mépris de la parole. He will turn up over Israel despised of the world. C'est-à-dire Israël. That means Israel pendant les 70 semaines. For 70 weeks. Ne va plus mépriser la parole. Will never despise the world. Dites amen. Say amen. Qu'est-ce qu'Israël a fait? What Israel did? Jésus est venu vers Israël comme étant leur Dieu, leur rédempteur. Jesus came to Israel as their redeemer. Israël, but Israel a vendu le Messie. Sold the Messiah. Israël, Israel a trahi leur Dieu. Betrayed their God. Israël, Israel, c'est qu'elle était en complice pour tuer le Messie. Kill the Messiah together. Frère Branham dit. Frère Branham said. Là où Israël a commis sa faute la plus grave. Where Israel committed his great utmost mistake. Nous allons parler. We're gonna speak. Sur le premier point. We are under the first point. Faire cesser les transgressions. To cease off transgressions. Frère Branham dit. Frère Branham said. Ce que Israël a fait à Jésus-Christ le Messie. What Israel did to Jesus Christ the Messiah. C'est ce que les enfants de Jacob ont fait à Joseph. That's what Jacob's sons did to Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did he do? Lisez la Bible, frère. Read the Bible, brothers. Jacob dit. Jacob said. Tes frères sont partis. Your brethren went. Pour aller perdre le troupeau. To beat the sheep. Prenez la nourriture. Tout. The food. Pour aller donner à tes frères. To give to your brothers. Frère, vous voyez comment est-ce que Jacob. Brother, you see how Jacob. Est en train de penser à ses enfants. Thinking about his children, et il leur envoie leurs frères and send them pour leur porter la nourriture, pour leur sauver la vie. To bring them food, to save them life. Quand when les enfants de Jacob children ont vu Joseph venir, seen Joseph come, ils ont commencé à concevoir la haine. They start conceiving hatred. Pourquoi? Why for? C'est parce que Joseph était spirituel. Joseph avait le songe. Joseph avait la vision. Joseph avait le miracle. Joseph connaissait l'avenir. Now the coming. Comme eux n'avaient pas ça, they didn't have it. Ils ont conçu la haine. They built up hate. Aujourd'hui, today, nous allons le tuer. We will kill him. Quand Joseph arrive, when Jesus arrived, vous me suivez? You follow me up? Ils ont pris leur frère. They took. Brethren, suivez bien. Follow up others. Ils ont déchiré les habits. They tear up him with clothes. Ça vous dit quelque chose? Does it tell you something? Quand Jésus-Christ était à la croix. When Jesus was on the cross. Selon Esaïe 53. According to Isaiah. Ils ont tiré au sort mes vêtements. They tear up his clothes on the land. Regardez ce qu'ils ont fait à Joseph. Watch about what they did to Joseph. Par rapport à ce que Israël a fait à Jésus. In accordance with what Israel did. Jesus. Vous comprenez? Do you follow up? Deuxièmement. Secondly. Les enfants de Jacob. Children of Jacob. Ont pris Joseph. They took Joseph. Ils l'ont vendu. They sold him. Les enfants d'Israël. Children of Israel. Ont pris Jésus. They took Jesus. Ils l'ont vendu. They sold him. Qui a pris l'argent? Who took the money? Judas. Judas. Iscariot. Iscariot. Qui a donné l'idée? Who gave the idea? De vendre Joseph. To sell Joseph. Judas.
Judas. Il n'y a pas d'amen. Is there any amen? Et c'était à l'âge de 30 ans. It was at the age of 30 years. Que Joseph fut vendu. That Joseph was sold. Et Jésus. And Jesus. A été vendu. Has been sold. À l'âge de 30 ans. At the age of 30 years. Les types ne se trompent pas. That never fall down. Ils ont pris Joseph. They took Joseph. Ils l'ont mis en prison. Put him into prison. Et dans la prison, into the prison, il y avait deux prisonniers. There were two prisoners. Ils ont pris Jésus-Christ. They took Jesus Christ. Ils ont amené à la croix. They bring him to the Calvary. Et là-bas, la croix. Over there to the cross. Il y avait deux prisonniers. There were two prisoners. Pendant que Joseph, while Joseph était en prison, was in prison, il a prophétisé. He delivered a prophecy pour le salut, pour la libération. De un prisonnier, of one prison, et pour la condamnation, and for the condemnation, de l'autre prison, all the one, all the one. Quand Jésus était à la croix, when Jesus was, il y a eu un voleur, the robber, qui a été béni, il est rentré avec Jésus au ciel, has been blessed and get into heaven with Jesus. Un autre qui est parti en enfer, there was another one get in hell. Si vous croyez tout à fait, if you believe, say amen. Ils ont sorti Joseph. They came out Joseph du trou of the hole. Avant qu'il devienne roi, before becoming king, Jésus Christ, he was born, est sorti du tombeau. Came out of the grave. Avant qu'il ne monte au ciel, before coming up to the heaven. Car Joseph, when Joseph est sorti du prison, came out of the prison. La Bible dit. Jésus-Christ est le chef. Where Jesus is the chief. Je vais aller à l'Alléluia.
Il y a des justes qui ont cru en Jésus.
Vous pouvez appeler ce
Naomi. Yes, he get married with Naomi. Mais il a laissé Naomi. Yes, he left Naomi. Il a pris Ruth. He took Ruth. Jésus. Jesus. C'est Israël. He's an Israel. Qui te fait dans la dernière future. The other day in your future. C'est Israël. They reject the sign. C'est pourquoi il acte que. That's why Acts 15. Paul dit c'est à vous premièrement que la parole de Dieu a été prêchée. Apostle Paul said to that to you the word be preached first. Pour vous trouver indigne. And you find yourself unworthy de la vie éternelle. All the everlasting life. Maintenant. But for now. Nous nous tournons. We turn away. Vers les nations. To the nations. Afin de trouver une épouse. For finding a children for one. Qui doit porter son nom. We must hold his name. Cette épouse là, his brother, c'est le peuple de Paul. Is the people of Paul, le peuple d'Irénée, people of Irene, le peuple de Martin, people of Martin, le peuple de Colomba, people of Colomba, le peuple de Wesley, people of Wesley, le peuple de Luther, people of Luther, et le peuple de William Mario Brown, people of William Mario Brown. N'êtes-vous pas content that you are d'être inséré? For the Jew, dit Amen. Say amen. Je n'entends pas les amen. I don't hear amen. Et Jésus vous a trouvé. And Jesus found you. Aujourd'hui, today, il vous a trouvé. He found you. Et nous ne voyons pas dans les titres. And don't see the type. Là où Joseph a rejeté cette femme. Where Joseph rejected his wife. Par quelles erreurs? N'est-ce pas des mistakes? À quels manquements? N'est-ce pas des mistakes? Elle est la chair de sa chair. She wore the flesh of his flesh. Elle jouait de ses os. Bones of his bones. Et n'est que la mort qui va nous séparer. Only death will go separate us. Vous êtes introduit dans l'alliance. You are introduced in the covenant. Vous qui étiez autrefois les pécheurs. Who were all the time sinners. Vous étiez l'olivier franc. Who were the olivier franc. Donc l'olivier sauvage. The wild olivier. Vous êtes l'olivier sauvage. The wild olivier. Israël est l'olivier naturel. Israël est naturel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit. That's why apostle Paul said que l'olivier, l'olivier sauvage, wild olive, quelques étapes, some steps, quelques branches, some branches de l'olivier sauvage, the wild olive tree, ont été greffés, has been added dans l'olivier naturel, in a natural olive tree. C'est-à-dire il y a un it means there is a one tree there. Il y a un autre olivier là. There is another one there. Deux oliviers ont produit le blanc. Both produce branches. Maintenant Jésus. But now Jesus est rentré dans le désert. Come into the wilderness. Il a trouvé l'olivier, l'olivier sauvage. He found the wild. Qu'est-ce que Jésus a fait? What Jesus did? Il a pris la machette. He took the la parole. The word. Il a coupé les étapes. Branches de l'olivier of the olive sauvage. Oui, il a tout ramassé. He pick up all ces étapes là. All steps there. C'est le groupe de Paul. Are the groups of Paul. Le groupe d'Irénée. Of Irene. Le groupe de Martin. Of Martin. Le groupe de Colomba. Of Colomba. Le groupe de Luther. Le groupe of Luther. Le groupe de Wesley. Le groupe of Wesley. Et le groupe de William Marlon Brandon. And the William Marlon group. Jésus les a transformés. Jesus took them up. Il revient maintenant dans l'olivier. Come now in the natural olive tree. Il a pris la machette. He took the sword. Il a tranché les 144,000. He split them into the 100,000 forms. Si vous ne comprenez pas, if you didn't figure out, est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il a tranché une partie d'Israël. He split a part of Israel. Quand ils sont tombés, when they fall down, dans l'aveuglement, in the blindness. L'endurcissement et la difficulté pour ne pas connaître le Messie. For the Messiah, et la partie qui est restée branchée là, and the part remaining
Gary. Gary. Le Simeon. Simon. Ah, tout à l'heure. Simon. Le Timothée. Timothy. C'est le groupe qui est resté. This is the group we met. Le groupe qui est tombé. The women, your folks. Ce sont les véritables Juifs orthodoxes. Are the true Orthodox Jews. Ils sont tombés à terre. They fall on the ground. Qu'est-ce que Jésus a fait? What did Jesus do? Il a pris les branches de l'olivier sauvage qu'il a tombé. He took the branches of wind. Il les a greffés. He added it. Tout l'olivier naturel. The natural olive tree. Dans la partie. First the part. L'olivier sauvage. The wind olive tree. Il a greffé là où il y a les branches de l'olivier naturel. Which is added to the natural one. Se sont servis de la même vie. Are you the same life? Qui viennent de la racine de l'olivier naturel. Coming from the life of the root. Tous ont formé ce que nous appelons l'épouse. All from what we call the bride. Et c'est cette partie de l'épouse. And this is part of the bride. Qui est mélangé de juifs. We mix it into the Jew. Qui est des gens de nation. And nation of Gentiles. Qui va aller dans de l'olivier naturel qui était tombé pour que vous vous soyez greffés. Part of the branch natural part of. Il va, Jésus va enlever toutes les branches. Jesus will remove all branches. Et l'olivier naturel resterait sans branches. And the natural olive will remain without branches. Jésus. As Jesus. Ne rejette jamais Israël. He'll never reject Israel. Malgré la punition. Ils vont revenir dans leur patrie. They must come back in their homeland. Jésus va reprendre les parties. Jesus is going to pick them, pick up parts. Pour les greffer de nouveau. To add up them anew. Dites amen. Say amen. Pour avoir été greffé après. For having been had up after. Ils ne seront pas enlevés. They will not be wrapped up. Mais ils sont passés par la tribulation. And they went for tribulation. Et Abraham dit ils sont morts. Ils seront saints. Ils seront passés. Ils seront tués. They will be killed. Mais au début du millénium. At the beginning of the millennium era. La partie de l'olivier sauvage et olivier franc, l'olivier naturel et sauvage qui ont été greffés, qui ont été emportés. The part of the olive world and natural one that has been added. Reviendra sur la terre pour le millénium. We come back upon the earth for the millennium. C'est alors que la partie de l'olivier naturel qui est greffé après avoir ôté. Alléluia. That was the part of the olive natural. Et ils seront ressuscités et ils vont entrer dans le millénium. They will be resurrected and will get into the millennium. Mais ils n'entreront pas dans le millénium en tant qu'épouse. They will not get in as brought in the millennium. Ils entreront dans le millénium en tant que les serviteurs de l'épouse. They will get into the millennium as servants of the bride. Je ne sais pas si vous voyez. I don't know if you listen. Pour que elles soient branchées. For them to be adopted. Il faut que Dieu fasse cesser les transgressions. God must cease up the transgressions. C'est-à-dire, it's me. Dieu, God, doit amener Israël, must bring up Israel, à ne plus faire les mêmes choses qu'ils ont fait lors de la première venue. Or, you know, do the same thing they did at the first coming out. Donc, il doit cesser ça. They must cease up it. Il doit oublier le péché. He must forget their sins. Comme Joseph a oublié les erreurs de ses frères. As Jesus, Joseph forgot the mistake of his brothers. Jésus Christ n'a pas oublié le péché des enfants d'Israël. Jesus will forget sin of Israel. Leur transgression. Their transgressions. Jésus va pardonner. Jesus will forgive this. Deuxième point. Second point. Je ne sais pas comment tout terminer. I don't know if we are going to finish. Qu'est-ce qu'il a fait? What did? Cesser les transgressions. To cease transgressions et mettre fin au péché. And finish up to the sin. Mettre fin au péché. To put an end to the sin. Le péché, plus prévalent, c'est l'incrédulité. The sin encore plus prévalent is credulity. Comme ils ont été incrédules. As they have been credulous. Pour ne pas reconnaître Jésus-Christ le Messie. Or they don't recognize Jesus Christ the Messiah. Alors Jésus va mettre fin à l'incrédulité. Then Jesus will put an end to their credulity. En d'autres termes,
Jésus-Christ va pardonner leur incrédulité. Otherwise, say to them, you forgive their incredulity. Amen. 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 Il va pardonner ça. He will forgive. En d'autres termes, otherwise, say, il va supprimer les péchés. He will remove their sins. Vous leur dites, Satan, ce n'est pas à cause de vous, not because of you, que ces choses sont arrivées. That those things happen. C'est Dieu qui a permis ça. God who allowed it. Et je vous pardonne. I forgive you. Amen. Pourquoi il va les pardonner? Why for you must forgive them? Frère, me dit parce que Jésus-Christ se présentera devant eux. But I'm saying because Jesus will present before them avec les cicatrices. With wounds. Et selon Zacharie 13. According to Zacharie 13. À partir du verset 6. For verse 6. Quand Israël va le reconnaître. When Israel will see them. Quand ils vont voir que Jésus est le Messie. When they see that Jesus is the Messiah. C'est eux qui l'ont fait de mal. Then who put him. C'est eux qui l'ont conduit. Then who sent him. Ils poseraient la question à Jésus. They will question him, Jesus. Pourquoi ils vont pleurer là. Why they will weeping there. Mais d'où te vient. D'où te viennent les blessures? Yeah, where do you come from those wounds? Où est-ce que tu as eu ça? Where do you get this? Il a dit c'est dans la maison. He said, is it in the home de mes frères? Of my brethren? Que j'ai eu ça. That I had got it. Comment ça? How come? Messie, comment ça te passe toi? Messiah that we are waiting for. Non, t'as blessé comme ça. But you have been hurting like that? Jesus said, remember yourself de la croix. Of the cross. Pilate vous a posé la question. Pilate asked you the question. Entre Barabbas. Among Barabbas et Jésus. And Jesus. De quel couleur votre nom vous libérons? Who do you want to ask for release? Vous avez crié. You cry out. Barabbas. 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 Et il vous a posé la question. And he asked you the question. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? What am I going to do about Jesus? Vous avez dit crucifiez-le. You say crucify him. Et vous avez dit. And you said que son sang. Let his blood tombe sur nous. Fall on us. Et sur nos enfants. And on our children. Vous voyez même les enfants qui n'ont pas péché. You see even children who didn't commit sin. Ils ont été coupables. They are also guilty. À cause des péchés de leur père. Because of sin of their fathers. Frère Branham dit c'est ça leur grand péché. This is their utmost sin. C'est quand ils ont crié. When they shout. Dans Matthieu 25, 27. In Matthew 25, 27. Que son sang tombe sur vous. May his blood come down on us. Ils vont pleurer. And they will weep. Ils vont pleurer. They will weep. Jésus dit bon. And Jesus said, well, je vous pardonne. I forgive you. Tout ça c'était un plan. All of this was a plan que Dieu a fait. That God make pour sauver les sœurs du plein évangile. Save the sister of the gospel. Si vos yeux n'étaient pas fermés, if your eyes wasn't closed, et n'étaient pas croire. They didn't believe. Dans ce point, j'ai fermé vos yeux. That's it. I will close your eyes. Pour que je sauve les gens des nations. For I save people of Gentiles. Voyez-vous même la position que vous occupez. Do you see the position that you have? Dans le plan du salut. In the salvation plan. Ça va vous amener même à ne plus pécher. This will bring you then to never commit a sin. Ça vous amènera à haïr le péché du sexe. That will bring you to hate the sin of sex. Parce que Dieu lui-même. For God himself, avec les chiffres, landed you pour votre salut. For your salvation, c'est lui qui comprend ce mystère. That's why you understand this mystery. Ne doit plus jamais se réjouir du péché. But he never rejoice himself of the sin. Il doit faire le sérieux. He must be serious avec lui-même. With himself. S'il y a un temps, if there is a time. Que nous devons faire du sérieux. That must be serious. C'est maintenant. It is now. Parce que nous voyons pas les livres. Because we see for books. Que nous sommes au temps de la fin. That we are in time.
Toutes les prophéties sont accomplies. All prophecies are fulfilled. Israël est dans sa patrie. Israel is in homeland. Les nations se disloquent. The nations are split. Le péché est là. The sin is there. Le monde est dans un état chaotique. The world is a chaotic state. C'est le temps que nous devons devenir légalistes envers nous-mêmes. The time must be legalistic. Vous devez vaincre cette chose que tu aimes plus là. You must overcome things that we love much. Cette chose là qui te fait rétroplater. It's been made backside us. C'est par là où tu dois mettre le turbo. By them we must beat up. Un frère. C'est là. Brothers, there. Si vous reconnaissez que votre faiblesse c'est ça. If you recognize that your weakness is this. Mettez le turbo là-bas. Durab, there. Boucher ce trou là. Close this hole avec la prière. With the prayer. Avec la confession. With confession. Avec les pleurs. With weeping. Avec les supplications. With supplication. Avec les gémissements. With weeping. Boucher ça. Amen. Shock this. Amen. À quoi vous servirait-il de gagner le monde entier? What does it profit you to gain the world world? Et de perdre votre âme. And lost your soul. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Stand up. Levons un peu les mains, nous allons prier un peu. Oh, le temps est passé. Combien de temps passez-vous? Soit compris, Seigneur Jésus. Que soyons de plus en plus proches de toi, Seigneur Jésus.
en marchant conforme le message, je veux conforme la parole de notre Seigneur Jésus. Ô Dieu, bénis ton serviteur, bénis, ô Dieu tout-puissant, son grand ministère, Seigneur Jésus. Révèle-lui encore, ô Dieu tout-puissant, les grandes révélations, Seigneur Jésus, afin que ton peuple soit nourri, afin que tous ceux qui écoutent dans le monde entier soient aussi nourris, Seigneur Jésus. Bénis les jours qui sont devant nous, assiste-nous, Seigneur Jésus, la journée de demain, ainsi que la réunion de dimanche. Nous voulons que tu nous accompagnes dans nos maisons, afin que rien de mal ne puisse nous arriver. Nous nous abandonnons entre tes mains. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pour ta seule gloire. Amen.